chars de combat en manœuvre. Prête à entrer en action, l'armée polonaise reconstituée en France voit chaque jour partir de ses camps des unités nouvelles auxquelles le général Sikorski remet leur drapeau. Remise de nouveaux drapeaux après cette revue, ici à Angers, capitale de guerre de la Pologne. Solides, parfaitement équipés, seront demain au combat. Chacun d'eux a dans le cœur quelques pages du tragique livre noir des atrocités allemandes en Pologne. Et c'est pourquoi le serment qu'ils prêtent à leur drapeau n'est pas une formule traditionnelle, mécaniquement récitée, mais un farouche acte de foi. Montée d'un convoi de ravitaillement vers quelques avant-postes. Bien loin en avant de notre véritable organisation défensive et offensive, quelquefois à plus de 10 km, s'étend d'un bout à l'autre de notre front, notre ligne de surveillance, constituée par des avant-postes perdus dans la nature, souvent isolés les uns des autres, et en avant encore desquels s'étend le No Man's Land, le pays qui n'est à personne, le pays des patrouilles, des embuscades et des coups de main. Vivres, matériel, munitions et lettres, les chères lettres tant attendues, sont acheminées chaque jour vers les avant-postes, en longues marches silencieuses, harassantes, qu'une rafale d'artillerie soudaine surprend parfois. C'est sous la protection d'un groupe de sécurité qu'il faut désormais progresser. Ici, des patrouilles ennemies, de même que les nôtres sur le terrain d'en face, s'infiltrent en plein jour entre les avant-postes, en quête d'un convoi à surprendre, de prisonniers à saisir, dont on s'efforcera d'obtenir des renseignements.
autre point du front, dans la zone des avant-postes, des hommes d'un groupe franc vont prendre position dans l'attente de la nuit. Visage du pays du combat, du pays des hommes de l'avant. Du front, l'extrême avant, aux bornes du No Man's Land, est ce nid d'aigle dominant de plus de 500 mètres la vallée. Au fond, les maisons blanches, vides, silencieuses, où se tapit et guette l'extrême avant de l'ennemi. Là, c'est au bout du fusil de ce guetteur que commence le No Man's Land. Ce village où rien ne bouge n'est à personne. Mais certaines nuits, les patrouilles s'y heurtent et s'y battent farouchement. Pays du silence et du guet, pays où la première nuit de veille est une épreuve pour les plus braves. Mystère de la nuit, menace constante de la surprise, grenade soudain jaillie, bond d'un homme sur l'homme. Cette nuit, ici, une patrouille ennemie a manqué son coup de main. Tous les assaillants n'ont pu battre en tête. Le petit jour a révélé le drame nocturne vécu par nos mitrailleurs. L'artillerie, elle aussi, a ses avant-postes. Des sections de 75 détachées dans le bled. Installations précaires où, entre les tirs, de jour et de nuit, chacun récupère comme il peut, s'occupe comme il peut. Si calme et si peu inquiet, les hommes d'un groupe franc attendent la nuit, l'instant de leur périlleux travail de patrouilleur. L'observatoire signale à un groupe franc et à l'artillerie avancée une reconnaissance ennemie sur une crête voisine.
ravitaillement et des lettres au bout des longs et durs chemins. L'heure heureuse, si l'alerte, la pluie ou la neige n'en décide autrement. Voisinage constant du risque, ceux que l'on appelle les éléments de contact, ceux du no man's land, si souvent au péril, si souvent à l'honneur. Juste derrière les avant-postes, d'où ce groupe franc n'est redescendu que pour quelques instants, prise d'armes, sans faste, mais entre hommes qui savent ce que c'est, mais dans un grand écho d'héroïsme, sous les ronronnements d'avions de reconnaissance et les claquements lointains de mitrailleuses. La confiance des nôtres font leur belle humeur. Une armée triste est une triste armée, disait Napoléon. La distraction vient aux nôtres jusqu'en toute première ligne par le film. Bien-être moral et bien-être physique des nôtres font nos soins constants. L'essence, qui ne menace pas de nous faire défaut, nous permet ce luxe d'amener partout, non seulement le cinéma, mais par exemple encore de bienfaisantes douches à grand débit. Physique des nôtres. Le cinéma de l'armée consacre son journal de guerre au labeur, à la peine des nôtres, à l'histoire de leur vie courageuse et dure, des exploits qui sont leurs faits de chaque jour. Du cinéma, tout particulièrement émouvante cette prise d'armes, puisqu'elle vit la remise de la croix de guerre à l'un des nôtres, un de nos opérateurs de prise de vue, cité pour le cran avec lequel depuis le début de la guerre, il se dévoie à notre mission,
montrer en France, montrer à l'étranger les efforts, les peines, la lente exemplaire, la magnifique allure de nos soldats en guerre. L'armée française n'est pas une armée triste. Plus encore que les distractions qui ne lui font pas défaut, son haut moral et sa juste confiance font sa belle humeur.